Et si je dis non ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes ? Hein ? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta fille en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, bah je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin. Lâche-moi. Mieux que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Que je finisse comme Sam, je peux pas être infectée. Mesdames et messieurs, bienvenue. On se retrouve pour la suite du dernier d'entre nous. On en était à Capitol Hill à choper je sais plus qui. Oh, une carte. Il y en avait deux au même endroit. Ah oui, c'est vrai, il y avait tous ces putains de pièges là, la con. Non, c'était très con ce que je viens de faire. Ah, putain, génial. Je me demande si on peut pas aller dans cet entrepôt là. J'ai envie de tenter un truc, mais... Non ! Mais pourquoi elle a sauté à gauche, cette con ? Je veux aller tout droit, l'autre elle fonce dans le putain de piège à la con. Tiens, ici aussi. Elle est grave. Putain, j'ai eu chaud. Je passe en dessous. Je sais pas pourquoi il y a... Non, c'est bon. Je me suis dit, ça se trouve, il y aura un piège juste à la sortie, tu sais. Ah. 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 J'ai pas du tout envie de les déclencher. Ah. Ah, bon, tant pis. Voilà. Pas bête. Ça fonctionne. Bah ouais. J'ai vu Joël faire ça une fois. Tu crois que quelqu'un a entendu ? C'était pas discret. Ouvre bien l'œil. Effectivement, non, c'était pas du tout discret de ma part. Encore ? Non, putain, ils font chier. Pousse tout. Je te préviens. Ok. Nos réactions. Nos réactions de sa part, ok. Je vais lui faire péter un truc à la gueule, l'autre. Oula. Merde. Reste en bas, les escaliers sont piégés. Tu peux les déclencher ? Pas ici. Je fais comment ? Ça passe ou pas ? Ça passe pas. Ça passe pas. Alors, on reprend les mêmes et on recommence. Hein. Ça sera encore l'épisode du fail. Je me mets là, peut-être que... Tant pis. Ah non, bâton, non. Je suis con. Ben voilà. On fait pas dans la discrétion, là. Bah non, mais ta gueule, en fait. Léa viendra jusqu'à nous, alors. Ouais. Ou alors, ils vont nous attendre avec une embuscade. Je fais le tour, parce qu'à mon avis ça sert à rien. C'était fermé. On y est. Plus un bruit. Quand je pense qu'ils veulent faire un remaster de ce jeu, quand même, ça me fait bien rire.
Il est sorti il y a 2 ans, il est parfait. Tu vois une entrée ? Pas encore. J'en vois bien une, mais ça va pas te plaire. Où ça ? Dans ton cul. Et si on grimpait ? Non ! Waouh, t'as deviné ça toute seule. Par là. Bordel. Oh, c'est violent. C'est Tommy, tu crois ? Viens, ouais. On entre. Ah non, des flèches. À moins que Tommy ait un arc, mais... Allez, grimpe, Ellie, grimpe. Ah. Trace de blood. Est-ce qu'on a des trucs à chourer, là? Non? Ah ouais. Ouais. Je suis plein. Je suis plein aussi. Je suis plein. Fais attention. Ouais, putain, tu dis. Il manque de barres. Allez. Ouais, tiens, c'est pas con. Hop. C'est un sacré bordel quand même. Mais c'est sympa. J'ai cru que ça allait se péter la gueule sur le coup, mais non, en fait. Cool. Je m'attendais pas à ça. Petite pilule. Ok. Ok, ok. La porte est bloquée. Fais chier! Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle compte les pas? Regardez-moi sa tête de benêt là, j'en ai dit. Putain, on peut pas lui jeter. Oh, sinon, j'aurais jeté dans le museau là. Sacré les gars. Putain, c'est elle qui fait le bruit d'un hippopotame là. Oh merde. Ouais, merde, oui. Non, ça c'est pas Tommy. Qui a fait ça, bordel ? Je sais pas. Mais ils ont voulu faire passer un message. Ça vient juste à... Je sais pas quel message, tu mais. Crois qu'ils sont encore là ? J'espère pas. Mais reste sur tes gardes. On va pouvoir customiser. Est-ce que je peux? Non. Il veut pas. Par contre, cela dit, j'ai failli me péter le museau. Hein. Très puissant comme message. Je sais pas ce que je cherche en fait. Y a rien frère. Peut-être me faire un cocktail Molotov. Ouais, je vais profiter. Et peut-être un truc étourdissant. Par ici, Ellie. Quoi par ici? Mais qu'est-ce que tu me fais chier, toi? C'est plein, vraiment? Putain.
Ça peut pas être une si grosse zone pour si peu, quand même. Il y a un truc à faire, je sais pas quoi, mais je verrai bien. Ça, c'est d'où je viens. Je cherche pas, j'ai trouvé. J'aime pas ça. On est trop à découvert. Il faut qu'on regarde partout. Je veux trouver Léa. Ok, mais sois prudent. Sacré petit bordel ici. Sacré petit bordel. Alors je crois que l'épisode là sera beaucoup plus long que les autres. Parce que je vais pas m'embêter. Je vais faire une grosse session vidéo. Au moins ça sera fait. Je peux ouvrir là. M'inquiétant. Carte et un vieux chiffon. Et quelqu'un a dormi juste ici. Tout au bout comme ça, c'est un bureau. Peut-être le bureau de Léa. Ah, ils se sont barricadés d'un danger venant du bas. C'est quoi ça? Un appel radio? C'est elle. Ah. J'ai trouvé. T'en es sûr? Bah dommage, je ne pourrais pas la tuer. Karma de merde. Effectivement. Karma de merde, tu peux le dire. Elle a rien sur elle. Dina. C'est des photos d'eux. Attends. C'est près de Jackson, ça? Putain, regarde les souriants. Quoi, il a le droit de sourire? Abby. Salope. Celle qui l'a tué. Trois de moins, pas vrai. Trois de moins. Si, 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 le secteur 2, vous me recevez? Unité de soutien India en route vers la station télé. Je répète. Unité de merde. Soutien India en route. Ouais, faut qu'on se tire d'ici. Ça va péter! Tiens, si je peux petit bag là. Elle est morte. Comment tu te sens? Bah je l'ai pas tué moi-même, donc attends. Ouais. Bouge pas. Mais elle avait rien fait. Je trouve que ça aurait été moche de la forcer à part. J'ai juste envie de faire ça. Tiens! Voilà. Je me fous de savoir si c'est elle qui l'a achevé. Crémation. Tu veux qu'on se plante quelque part pour examiner ses affaires? D'accord. On va avancer dans le centre-ville et trouver un endroit où se barricader. Ouais, je veux bien. T'as bien raison. Une bouteille d'eau. Oh, 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 oh. Petit ciseau. Ah, 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 ah. Non, c'est plein. En fait, j'ai full munitions parce que j'utilise très, très peu de munitions. Faut vraiment être con pour avoir deux tours Eiffel. Moi aussi je joue l'arc. Mais je reviens sur mes pas là en fait. Why not?
Merde. Bordel. Ils sont tous morts. Ces enfoirés de Scar les ont tués. On se déploie. Il y a peut-être encore des Scars dans le bâtiment. Faites gaffe. Comment on faut que quelqu'un aille prévenir la base par radio. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai fait descendre. Boum. J'ai cru que... Ah voilà, ouais, il y en a bien qui monte. Putain, fais chier. Je sais pas dans l'angle. Où ça là-bas? Voilà, fallait le dire, là-bas. Chut. Tiens. Si, si, si. Si, si. Pourquoi Ellie non? Si, si. Voilà. Un de plus en moins. Et là, si je fais ça. Tiens! Oh putain la vache! Tiens! Le bastos en télante, ouais. Ça me fait chier que je peux pas porter beaucoup de munitions. L'autre il est où? Là. Tiens. Ou quoi? Il est où? Il est où? Sinon, toi, tu ne veux pas m'aider, non? Il en reste? Non. Non, je crois pas. J'en entends d'autres. Viens. Mais quoi, viens, ta gueule? J'ai pas envie. Moi, je te dirai rien. Il n'y a pas de la buff. Il me faut de la buff. Il passe par où les mésanges là? Go, 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 go! Fais chier! Ellie, c'est par la mèche! Allez! T'es dans la merde! Tiens, toi aussi, t'es dans la merde! Par là! Et voilà! Oh putain, je me suis explosé les genoux. Oh! Oh la vache! Elles sont avec quelqu'un? Quelques dangers, bute-les, c'est tout! T'arrêtes pas! Faut les semer!
Ouais, je sais. Et de 1. Arrête de bouger. Décale. Oh putain, non, il y en a trop. Taillon. Ouais, bah attends. Les sports. On met les masques. Ok. Je pensais que Ellie était résistante au sport vu qu'elle est déjà infectée. Ça, c'est moyennement, gravement, même très con. Faut qu'on avance. Je sais. En même temps, on va pas dormir en plein milieu des sports. Enfin, ça me paraît logique. J'espère qu'il y a un passage. J'ai cru qu'on y resterait. Je sais. Un peu étroit quand même. Oh putain, on peut. Pas les claqueurs. Oh non. Ah, quoique. Putain, et casse-toi. Ça s'appelle utiliser le décor à son avantage. Et vu que les claqueurs ne voient rien. Oh. Nif. Ah putain, j'ai vu une lampe torche, ils sont pas tous morts. Je pensais que les claqueurs les auraient. Je vais y aller avec la bouteille. Je l'ai même pas vu lui. Je pense que c'était Dina. Ils sont trop nombreux. Merde, on se voit plus. J'aimerais bien qu'elle se fasse choper. J'ai plus de bouteille par contre. Ah, ils sont en train de se faire poursuivre comme des malpropres. C'est drôle. Par contre, moi, il faudra pas que je tombe sur un claqueur. Ah, cool, une autre bouteille.
crois qu'ils se sont tous fait poutrer, ça y est. Coucou, je fais que passer. Tu ne m'as pas vu. Je vais quand même changer d'arme. Vu qu'il y a un petit peu de claqueur dans le coin, je préférais rester aux pompes. Ça pète les yeux. Je suis venu là pour rien. Ah non, peut-être pas. Dina. Je vais me faire poursuivre. Tu peux pas m'avoir. On y va. Ouais. Est-ce que ça va? Ouais. Ouais. Merci. Ellie. Je suis vraiment crevée. Viens, on fout le camp. Mais écoute, ça s'appelle la survie. Presque envie. Ah voilà, je me doutais qu'il y aurait peut-être un petit truc. Salut. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté, bonjour. C'est une impasse. Jules. J'espère que sur la sortie que tu trouveras ce mot. Nous, on s'est frotté à des claqueurs, mais on est toujours entiers. On s'est posé ici que pour la nuit. Le temps de nous remettre. Un vieux cadavre a veillé sur nous, comme pour nous rappeler pourquoi on faisait ça. Cette infection, c'est un signal d'alarme. Mieux vaut aller vivre au large que de moisir ici avec tout le monde. Zachary dit que si on continue vers le nord, on arrivera au camp des Séraphites d'ici 2 ou 3 jours. Ils appellent ça Haven. Et dit qu'ils l'ont bâti eux-mêmes quand ils les en parlent. J'ai du mal à pas m'emballer. Je prie pour que tu ailles bien, mais j'ose même pas imaginer ce que les gars d'Isaac te feraient s'ils te trouvaient. J'espère bientôt recevoir un signe me confirmant que tu vas bien. Gré. Ok. Donc ceci. Tu crois? Nous on va utiliser une fenêtre. T'as entendu comment ils nous appelaient? Scar. Je me demande si c'est les Scar qui ont fait tous ces graffitis. Et qui ont étrippé tous ces wolves. Putain, il n'y a que des tarés dans cette ville. Bah ça s'appelle la survie, ça s'appelle la fin du monde, normal. J'aime pas trop les cris que j'ai entendus là. Y voit-on comme à travers quel objet? Bordel. T'as déjà vu un truc pareil? Non. Les colosses balancent des spores acides. Oh putain. Mais j'ai pas l'impression que ça soit grand. Je sais pas contre quoi ils se battent, mais on devra les laisser s'entretuer. Un claqueur mort. C'est comme ça que je les aime. Ouais, pas moi. Ah, attends. Est-ce qu'on peut en modifier les petits trucs là? Cadence de tir, les dégâts, la stabilité. Lunette x6. Ça peut être bien ça. Tu vas me dire que depuis tout ce temps j'avais une lunette dans le sac? Saloperie. Putain. C'est incroyable, c'est inconcevable. Bon, par là c'est mort, on ne pourra pas y aller.
Par contre, vu que je vis en intérieur, on va prendre un peu pont. C'est quoi le plan? Il y a une autre échelle de ce côté-là. Ok. Comment on fait pour y aller? Comme ça. Ça va le faire. Ah putain, je me suis craqué. Tu connais pas Indiana Jones, toi? Oh, cool, la médic, j'aurais pas besoin de le faire. Et on recharge son arme. Elle fait un sacré boucan elle, quand elle se déplace. Tina, par là. Un autre puant. On fout le camp, vite. Un puant. C'est bon, pas ça. On occupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi non plus. Alors c'est pas par là, c'est pas par là. Là-bas c'est bouché, on va tenter par là. Ok, par là. A fait plus de bruit. Te gêne pas ma chef, hein. Je n'aime pas ça du tout. C'est le même ou il y en a? Il y en a deux. Ça va être la merde. Putain, il y en a un autre. C'est exactement ce que je viens de dire, Dina, ta gueule. Tournez l'enculé. Ah ouais, vas-y, casse ça. Casse-toi. Oh ouais. Oh non. Je pensais que c'était la sortie, mais non. Ah, oh, ah, non, c'est pas ce que je voulais faire. Dina, on se casse. Dina, on se casse. Je sais passer par où. Putain, enculé. C'est là. Non. Si. Merci de m'aider, Dina. Ah, l'autre n'est pas mort, putain, enculé. Puis je peux pas les étourdir.
Je vais tenter comme ça. Dépêche-toi, voilà, merci. Oh, je déteste ces enfoirés. Moi aussi. Ils t'ont eu ? Non, j'ai rien. Moi non plus. Des puants ? C'est comme ça qu'ils ont appelé ces trucs ? Ouais. Ouais. D'où est-ce qu'ils viennent, ces puants ? De ton cul. Je sais rien. Mais ils sont horribles. Oui. Très horrible. Très horrible. Ça va, ils m'ont pas trop bouffé de santé. Qu'est-ce que tu fais dans un stockage? Tu me diras s'il y a un stockage. La voie est libre. Peut-être quelques trucs. Ok, c'est plein. Ah. Une balle de pépio. Pourquoi je... Non, j'ai bien fait de faire ça, en fait. Une carte ! Oui, youpi ! Mais il n'y a vraiment rien d'autre. Ah, si ! De la bouffe! Tiens! Miam, 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 miam. Bah, quoique. Oh, il y a une... Merde, il y a une note. Le code, c'est 152. Bon, ça suffit les indices. Si t'arrives pas à trouver le reste, c'est que t'es pas le bon mec. Fais-toi plaisir. V. Le code de quoi, s'il te plaît? J'ai encore oublié le code, apporte-moi une canette et je te le donne. Un 5, 2, 7, 3. Voyons voir. Un génie. Ça m'est venu tout seul. J'ai vu qu'il n'y avait pas de set. J'ai fait. Attends, on va tester. Hein? Voilà. Tu le prends ton putain de chiffon. Il n'y a que ça dans ce casier. Ben voilà. Écoutez, on va faire une petite pause ellipse, hein, et on se retrouve tout de suite. Ellipse. Alors bref, on continue. Désolé pour cette petite ellipse. Pas de bouffe là? Non, non, pas de bouffe. Alors, ça je l'ai dans le coffre, ok. Vraiment plus rien ici. Un bruit monstre, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Hey, tu trouves pas qu'on dirait la nana du graffiti des Scars? Si. Pourquoi les Wolves les appellent Scars, à ton avis? Après les horreurs qu'on a vues aujourd'hui, je sais pas si j'ai envie de savoir. Parce qu'ils scalpent les gens, possible.
J'ai l'impression que c'est de là d'où je viens. Non, c'est de là d'où je viens. Je sais même pas en fait. Oh, j'aime pas ça. Gueule. Ah putain, il est juste devant la porte, fils de pute. Petite enfoirée de merde. Je sais pas si je devrais me préparer un autre cocktail Molotov. J'hésite. Je sais que les infectés ne voient pas ma lampe torche. Je vais d'abord prendre ça. Putain, j'ai entendu le puant. Alors, je sais pas où je vais, hein. J'y vais au pif à l'instinct. Vous voyez, ça me porte pas chance. Ah si. Ah si, si, si. Ah si, 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 si. Si, si, si. Si. Pas le bon plan. Allez. Mais elle est où? Putain de saloperie. Poussez-vous. Merci Dina de m'aider. Alors, ça va me faire chier, je vais devoir tous les buter parce que je sais pas par où je dois aller. Ah si. Putain de tarasse. Je vais devoir y aller comme un bourrin. Tant pis, allez. Allez, c'est bon. Voilà, j'ai pété toutes mes munitions, vous êtes content? Putain. Merci Dina. Hein. Ok. J'ai bien envie de me casser d'ici. Oui. Pareil. Pareil? Pardon? Ouais, c'est ça, détourne le regard, pétasse. Elle m'aide même pas à ouvrir la porte. Hein. Voilà. Par contre, si. Je vais me faire un petit coup de soin. Et on va reprendre les bonnes vieilles armes. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas, un accident. Merci, Sherlock. Ah non, mais là, elle a pas tort. Ellie, non. En général, je défends Dina, mais là... Enfin, je défends pas Dina, mais là... Voilà, quoi. Je me demande s'ils ont fonctionné longtemps après le début de l'épidémie.
Bah non. Et t'as trouvé ça toute seule. Dina ? Ouais, j'arrive. J'ai cru qu'elle allait dire. Non, rien. Ça aurait été so drôle. So drôle. Merde, très très drôle. Allez, gros cul. Sinon, tu me faisais juste la courte échelle, non? Ok. On reste ensemble. Non, j'ai envie de t'abandonner, tu me casses les couilles. Oh putain, ça me surprend. Ah, je crois qu'elle ne sait pas. Voilà pourquoi le masque. Je crois qu'elle ne sait pas qu'elle est infectée. Ton masque. Tiens, prends le mien. Non, 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 non. L'enlève pas. Dina. Stop. Quoi? Non. Ellie, non. Arrête. Je suis pas infectée. Je suis immunisée. Je tousse pas. Regarde. Merde. Dina. Merde. Tu peux courir? Oui. Oui. Alors, vas-y. Fonce. Arrête! Cours, Dina! Lily! Dina! Tu cours à... Ah! Oh! Je rêve où il a dit Dina dans le cul. Aïe, non, non, non! Non, 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 surtout ne ralentis pas. Ah, salope. Par ici. Vite. Merde. À droite. Oh putain, oh putain. Oh, bah, qu'est-ce que je fais à ton avis? Cours, 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 petite, cours, cours, cours. Ah, salope. Oh la vache. Dina. Allez. Je suis pas sûr que ça va tenir longtemps le tourniquet. Hein. Et si on se reposait dans ce théâtre? C'est une putain de bonne idée. Tu crois? J'en suis même sûr. Tu y es presque. Je te tiens. Attends là. C'est bon? Allez! On va tout faire tomber. Mais s'ils se sont barricadés, c'est qu'il y a forcément du monde dedans qui n'est pas ressorti. Il y a personne. S'il y avait quelqu'un, ils vous ont entendu, ils sont planqués. Ellie, quand même. Les règles de survie.
peux me dire ce qui se passe, au juste? Non. Tu me demandes ce qui se passe? Ellie, je viens de te voir inhaler des spores. Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. Arrête, je t'en prie. J'ai été mordue il y a déjà longtemps. Oui. Mais putain, de quoi est-ce que tu parles ? J'ai été mordue et il s'est rien passé. La brûlure à ton bras. Maria et Tommy et Joël sont les seuls au courant. Étaient. Toi aussi maintenant. Je suis pas contagieuse, si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Allez, dis quelque chose. Ellie. Je crois que je suis enceinte. J'ai pas de zizi! Qu'est-ce que tu dis? C'est ce qu'elle doit se dire, Ellie. J'ai pas de zizi, comment c'est possible? Je te rassure. Ah. Alors qu'est-ce que... T'es pas rassurant en sachant que t'es avec elle. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien. Il faut seulement que je me pose. Oh, c'est pas vrai, tu te fous de moi. Depuis quand t'es au courant? Ça fait seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines? On aurait pu faire demi-tour. Je savais rien, j'en étais pas sûre, ok? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Oh putain, oh. Par contre, Ellie, c'est bâtard. Oh la vache. Ellie. Un peu de tact quand même. Ah, les goudous entre elles. Pardonnez-moi les goudous, hein. M'assurer qu'il n'y a personne dans le coin. Oui. Repose-toi. Alors... On est bien là, non? Ouais, on est plutôt bien. Je pense qu'on va se laisser là, mesdames et messieurs. La vidéo est quand même très très longue. Enfin, assez longue. Je pense que ça vous tiendra un petit moment la jambe. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire. Il fait beau quand même. Il fait même plus beau que chez moi actuellement. Enfin, moi, ça fait une semaine. Donc oui, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous savez quoi? Mettez le commentaire nounouille si vous êtes arrivé jusque-là. Peut-être qu'Anouali aura un cadeau pour certains d'entre vous. Si vous jouez le jeu, bien sûr. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui sera sur Alpha Protocol, ou alors peut-être Trépang. Ce jeu me trépang au nez. Sans mauvais jeu de mots. Mais ce FPS me fait un peu de l'œil. Donc j'attends que tout se stabilise pour moi et je vais peut-être le prendre, je sais pas. Enfin bref. Sur ce, comme on dit par chez nous, accoudez-vous au comptoir, levez votre verre, dégustez une bière et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, skoll !